Vocal est grave, vocal est grave, vocal est grave. Bienvenue les rois et les reines et tous ceux qui font chanter la vie. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mon petit verre avec moi avec une paille. C'est pas pour boire, c'est pour faire un exercice. Un exercice qui va bien vous aider à apprendre à gérer votre souffle de manière constante et régulière. Le problème souvent pour avoir de la puissance, c'est qu'on ne sait pas gérer son souffle. Alors, je mets un petit peu d'eau dans mon verre, je prends une paille et je souffle de manière régulière. Il ne faut pas que ça fasse boum, 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 boum. Il faut que ça fasse... toujours de la même façon. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo, aller chercher votre paille, mettez un petit peu d'eau dedans et vous allez regarder au fond du verre. Il ne faut pas que les bulles fassent ploup ploup et puis vous envahissent le visage. On y va ensemble? Alors, on souffle et on chante, hein? C'est parti! Je vous montre, c'est comme si j'avais une paille. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez faire ça. Le but, c'est de souffler toujours pareil. Bon, si je fais n'importe quoi au piano aussi. On ne met pas les épaules en boucle d'oreille. On détend ses épaules, on écarte les côtes et on fait comme si on bâillait pour inspirer. Ça s'élargit dans ce sens-là. Il ne faut pas que je vous entende faire comme si vous aviez trop fumé. D'ailleurs, vous arrêtez ça tout de suite. Vous faites comme un bâillement. Et après, vous soufflez de manière régulière pour
pouvoir vérifier que votre souffle est correct, vous pouvez mettre le plat de la main comme ça et vérifier que ça ne passe pas. Soit vous, si vous n'avez pas de paille, et si vous avez une paille avec de l'eau, c'est l'idéal. C'est bien, refaites cet exercice régulièrement. À bientôt les rois et les reines. Vocaligra, vocaligra, vocaligra.